Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, Sid Trading. Donc là, je vais vous faire la petite mise au point du BTC pour vous expliquer ce qui se passe. D'accord? Donc voilà pour BTC. Je me suis concentré sur les autres actifs parce qu'il y avait quoi faire ailleurs, bien sûr. BTC ne fait pas grand-chose. Donc, on va chercher l'argent ailleurs. D'autres trades ailleurs. Donc là, allez, daily rapidement, vite fait, pour faire un petit récap rapide. Donc là, vague 1, vague 2. Vague 3, et pour moi on est vague 4 corrective. Donc vague 3 ici, le 3 ici, A, B, C. Ici un niveau intéressant, la ligne rouge ici, I, où il y a un equal low. Ici on a une distribution qui s'est mise en place, une accumulation qui s'est mise en place. SC, STB, test et ensuite la hausse. La hausse qui s'est arrêtée ici, à ce niveau-là. Donc la ligne des 52 920, ici qui a marqué l'arrêt de cette tendance haussière ici, sur ce retracement. N'oubliez pas, la tendance de fond reste baissière. La tendance principale ici est baissière. A, B, C. Un grand A, on a un grand B. N'oubliez pas, on a une grande C. Moi, je le vois venir ici. Il y en a beaucoup qui vont me dire non, mais moi, je garde ça en tête. A, B, chercher la liquidité, C. Donc là, pour l'instant, il est ici. OK? Là, je vous ai fait une vue d'ensemble. D'accord? Pour moi, il doit venir, le BTC doit venir nettoyer ici, il doit descendre en dessous de cette ligne rouge, en dessous des 28 850. En dessous de ça. Et ensuite, ici, j'ai un point d'intérêt intéressant ici dans cette zone des 21 800 et 17 100, c'est ça? 17 500 environ. 17 500, cette zone intéressante. OK, il peut également descendre ici sur les 3,618 de mon Fibonacci de continuité, de mon Fibonacci de continuité de tendance au 12, 13, 13 522. OK, qui fera ici la vague 4. Donc on verra. Pour le moment, le plus intéressant, c'est déjà la barre des 28 850. Donc elle sera cassée. Pour l'instant, on est là. On est là. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a un BC. Ici, on a un AR. Et ici, on a un ST. Donc le ST ici est en formation, est en train de se faire. D'accord? Est en train de se faire. Donc le prix ici, il va remonter ici pour prendre la liquidité. Tac, il y a un price delivery ici qui doit être comblé. Donc on va combler un déséquilibre ici. Donc le prix va remonter ici pour combler ce déséquilibre. Quand il la comblera, soit partiellement, soit totalement le déséquilibre, il plongera vers le bas. OK? Pour aller finir ici cette zone. Donc là, revenir dans la golden zone de Seed, vous vous rappelez la petite boîte? Là que j'ai réajusté, et il fera ici l'accumulation, donc le swing, le spring, excusez-moi, le spring. STB, il est monté, il a créé la hausse. Ici, on a une AQ ici petite, spring, ensuite hausse. Regardez, on va aller en H1 pour regarder plus profondément ici ce qui se passe. Donc voilà, je vous ai vu la vue d'ensemble. Donc là, on est sur la BC, AR, ST qui est en train de se faire. Regardez, il a pris la liquidité du BC. Logique, ok? Sur cette cause, ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ici. BC, ARST, là, hop, le ST après le ST, bien sûr, il y aura un saut et après un UT, un UTAD. D'accord? Donc, vous aurez une baisse et ensuite une hausse et ensuite une rebaisse à nouveau. Ok? Voilà ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette petite zone ici? Là, on a une prise de liquidité ici. On va rééquilibrer, à mon avis, une partie du price delivery qui est là. D'accord? On va aller en 15 minutes. Allez, 15 minutes. Et on va regarder ici, regarder ce qui se passe. Donc ici. Ici, qu'est-ce que j'ai là? Ici d'intéressant. D'accord? Là, j'ai par exemple un BC, un AR, un ST. D'accord? Et là, j'ai un UT qui se fait en place. Donc là, possibilité bien sûr. Ici, regardez, on est parti chercher la liquidité du BC. Donc on peut avoir ici, bien sûr, une correction. D'accord? Pour l'instant, il n'est pas encore fait, donc il y a des zones à aller chercher, des zones intéressantes. Donc on est sur cette zone-là. D'accord? Pour l'instant, ici, si j'ai un arrêt de la tendance ici, une descente ici, BCAR. D'accord? Ou ici, j'ai un BC, un AR ici. On va aller en 5 minutes pour mieux voir. Voilà, pour vous montrer. Voilà, en 5 minutes, j'ai ça. OK? BCARST. Saut. Si je vous l'écris, allez, je vais vous l'écrire ici. Voilà, comme ça vous allez le voir. Et ceux de ma team aussi vont voir, vont comprendre ce que je veux dire. Mais ça, c'est en petite unité de temps. C'est pour confirmer ici la prise de liquidité du BC. D'accord? Ici, AR. Donc AR ici, vous le voyez.
Normalement, je ne les trace pas, mais je vous les montre. Moi, je l'ai vu. Je check. Ici, on a un ST. DAC. Comme ça, je montre à tout le monde. Comme ça, tout le monde y sera content. Et ici, j'ai un saut. OK. Donc, une analyse logique. Qu'est-ce qu'on a après le saut? Eh ben, on a un UT. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord? UT. UT ensuite va venir chercher en bas pour refaire après un UTAD. Donc un autre sommet. Et après on aura notre décompte. Notre décompte 1, 2 et 3. Et après le 3, boum, plongeon. D'accord? Donc voilà, UT et ensuite on aura UTAD. Pour aller rééquilibrer le price delivery. Une logique complète. Ok, là on a une logique ici qui se met en place. Elle est vraiment logique. Tout est logique. Donc là, regardez, UT. Là, hop, il y a une force vendeuse. Donc là, pour l'instant, ça travaille. Il a pris la liquidité. Nickel. Quand il prend une liquidité, forcément, il a créé. Il a pris la liquidité. Donc quand il va créer la liquidité, il a pris la liquidité, il va bouger. Donc déjà minimum, il va revenir ici. Minimum. Minimum, il va revenir là. Parce qu'il y a un price delivery. Délivrement du prix rapidement. Retour à la case départ. N'oubliez pas. D'accord? Également, on peut venir checker, bien sûr, ici, cette zone-là. Allez, je vais mettre un rectangle, je vais mettre. Oh, on va mettre des pointillés, allez, ce sera plus simple. Et après, pour qu'il remonte ici, il faut qu'il prenne la liquidité de cette bougie-là. D'accord? Donc voilà, donc BTC, je vous le donne ici. Donc on va voir. Possibilité, bien sûr, ici, on finit du T. On va chercher soit ici, soit plus bas, prendre la liquidité, soit de ce niveau-là. Soit de ce niveau-là. D'accord? Et après, on aura l'UTAD qui va se faire. Et après, on aura le plongeon jusqu'en bas. OK? Voilà, je voulais montrer rapidement. Voilà pour BTC. Je ne peux pas être plus pointilleux que ça. Je voulais décortiquer au max. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas. Likez, commentaire. D'accord? Kiffez un peu si vous voulez faire du trading. Là, il y a un spot à prendre. OK? Regardez. Price delivery à combler. Ici, price delivery à combler. Donc, on doit chercher au moins minimum ça. Minimum 40 000 dollars. Minimum 40 000, 40 900. Donc, regardez, un trade d'ici, 49 000, il y a pratiquement 10 000 euros à prendre. Quand il va faire l'UTAD, il y a au moins 10 000 balles à prendre sur le BTC. Bien sûr, il faut attendre, bien sûr, être patient qu'il finisse l'UTAD. D'accord? Chute, remontée. Ensuite, hop. Ici, on pourra sell. D'accord? N'oubliez pas, zone déterminante. Là, on a pris la liquidité ici. On a ici un price delivery. Vous avez cette zone-là qui pourrait être intéressante pour venir ici, reprendre ici ce niveau-là, là et là, pour combler la première partie ici du price delivery, complètement, cette première partie. Il restera cette deuxième partie aussi. OK, là, il y a un déséquilibre et là, il y a un déséquilibre. Pour l'instant, regardez si je trace ici. Voilà les pointillés, vous les avez vus. Regardez ici, on va aller en 30 minutes, ce sera mieux pour voir. Voilà, les pointillés sont là, regardez. Donc le UTAD ici peut venir se faire ici. D'accord? Donc on pourra avoir ce scénario-là. Regardez, donc UT, descente comme je vous l'ai dit, prise UTAD là, dans la zone des 50 000, 51 000. OK, et ensuite on ira chercher ici en bas. Pour équilibrer le marché au moins jusqu'à là, au moins jusqu'à la zone des la boîte de seed là. Ici la boîte, et ensuite quand on ira chercher ici la boîte ici, et on fera le spring et tout ça, après on repartira ici. Il créera une cause à mon avis d'accumulation, elle est déjà là. SC, STB, spring test, et boum, on va aller faire la vague 5 quand on aura fini la correction vague 4. Ok, là je vous ai décortiqué au max. Je ne peux pas faire mieux que ça. Là, comme ils disent, je l'ai décortiqué à la Kalachnikov. Il y en a qu'un qui m'a dit ça sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ce pour le BTC, là je vous ai envoyé du lourd, du très lourd, très lourd, avec une explication détaillée au max. Je ne peux pas faire mieux que ça. Ok, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner de la force avec des j'aime, avec des commentaires. D'accord, je vous sors de la qualité. Du haut niveau, là c'est vraiment du haut niveau, du high level, d'accord?
Voilà, je ne peux pas faire mieux que ça. Moi, je vous ai donné le max de mes capacités à moi. S'il y a quelqu'un qui peut faire mieux, n'hésitez pas. Vous m'envoyez son lien YouTube ou un truc comme ça. Je vais voir, je vais checker. Il y a toujours plus fort que soi, n'oubliez pas. D'accord? Restez toujours humble, ne me la plaît pas. Juste, je suis là pour vous aiguiller. C'est tout. OK? Voilà, force à vous, force à tous. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me récompenser par rapport au tout le travail que je fais, vous avez l'adresse wallet, n'hésitez pas. Vous pouvez l'envoyer en Tron, si vous voulez. En Tron USDT ou bien sur mon MetaMask. Tu te récompenses pour me récompenser, pour me donner de la force au max et pour booster cette chaîne-là, pour qu'elle puisse bien se développer et qu'elle soit beaucoup plus visible par rapport aux personnes qui en ont là. Comme ça, ils seront bien informés au lieu d'être mal informés sur les marchés financiers. Bien sûr, je suis un être humain, n'oubliez pas que l'erreur est humaine. Sur une vidéo, bien sûr, j'ai parlé, j'ai fait une erreur. Exemple, j'avais dit les subprimes, c'était en 2018, au lieu de dire 2008, c'était les subprimes, mais je me suis fait une petite erreur sur le Ripple, par exemple. Donc, ça arrive, je suis un être humain, n'oubliez pas. Donc, je peux faire des erreurs. D'accord? Il y a aussi la fatigue. Je n'oublie pas, je trade, je vous envoie des vidéos et tout. Regardez le rythme à laquelle je vous envoie des vidéos. Donc, c'est normal que des fois, je vais déraper ou bugger un petit peu. Ok? Bisous à tous, force à vous. Ok? Voilà, vous avez, n'oubliez pas le projet Zenik. Je vous ai mis le lien également. Si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est le moment. Ne pas attendre trop longtemps, n'oubliez pas. Si vous voulez checker, bien sûr, vous pouvez vous inscrire avec mon lien de parrainage. Vous checkez, vous avez créé votre compte, vous regardez ce qu'il y a et prenez votre décision ensuite. Vous avez des vidéos présentations que je vous ai faites avec explication. Je vous ai même montré mon compte Zenik. D'accord? Donc mettez-moi pour moi, mettez un petit billet et laissez tourner. On ne sait jamais, ça peut faire comme Binance, ça peut faire comme une autre plateforme. Si le projet se développe à bloc et aux Émirats Arabes Unis et va chercher ensuite le monde entier. Je vous dis, ça peut faire très 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 mal. Et connaissant les gens de Dubaï, ils font pas les choses à moitié. D'accord? Ok? Quand ils y vont, ils y vont. Et là, ils commencent à débloquer des fonds pour développer la blockchain. Regardez, allez nicher les articles. Ils commencent à débloquer beaucoup d'argent pour développer tout ce qui est blockchain, écosystème, tout ça, de l'argent pour développer les projets sur la crypto-monnaie et tokeniser la ville de Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Donc, on est dans les prémices. Donc, on est dans les prémices. Pensez-y. Ciao, ciao, bye bye. Et bonne soirée à vous tous. Ciao.